Attendez, je vous remonte un peu. Point trop, non, en faux. Il est 10h10, je crois, un peu dans ces heures-là. Il est un peu plus de 10h. Et il faut que je range mon bordel pour pouvoir filmer demain. Donc, voilà. Il faut que je range mon bordel. J'ai la motivation d'un poulpe. Ah merde, ma poubelle est là-bas. Donc, j'ai déjà commencé par ranger mes pinceaux. Et en même temps, je vais vous expliquer ma première session de Pilates, qui était donc avant-hier, puisque je ne vous ai pas pris hier. Merci. Eh bien, écoutez, je me suis éclatée. Ça m'a fait un bien fou. C'était génial. Voilà, tout simplement. La coach était contente de ce que j'ai réussi à faire, puisque bon, je dois adapter, hein, qui me l'a bien dit. Et ben, la coach a dit que c'était très bien, que j'avais bien géré les mouvements et tout ça par rapport à mes problèmes. Donc écoutez, que demander de plus, hein. Donc du coup, je me suis inscrite. Là, il y a encore mardi prochain et ensuite, il y a 15 jours de congé puisque c'est... ça suit les congés scolaires. Voilà. Mais franchement, c'était génial. Là, je viens de faire une petite session en bas. J'ai même plus de place dans mon pot à pinceau. Je suis en train de les trier, puis au final, je les tape tous n'importe comment. Comment? Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai fait une petite session sur YouTube. J'ai trouvé plusieurs vidéos YouTube du Pilates que moi j'ai connu quand je le faisais avant que ce soit la mode, avec mon DVD que j'avais acheté chez Belgique Loisirs. Et du coup, j'ai fait la petite séance là de 15 minutes. Et ben, ça m'a encore fait du bien. Donc voilà, que demander de plus? C'est le but, non? C'est que ça fasse du bien. Et ça m'a vraiment fait du bien. Même si je commence un peu maintenant à le sentir. Parce que du coup, c'est des séances plus longues que les 5-10 minutes sur l'application. J'ai annulé l'abonnement d'ailleurs parce que finalement, je vais les faire sur YouTube. C'est beaucoup mieux expliqué. Et voilà. Et on s'est rendu compte en parlant avec DJ quand elle est venue avant-hier que ben, ma prise de poids est due aux antidépresseurs. Voilà, tout simplement. Parce que là, ça fait quand même plus de 2 semaines que je me bouffe exclusivement que de la salade, des yaourts maigres et des fruits. Et encore, hein, vu les quantités que je mange, des fois, la banane, si elle est trop longue, j'arrive pas à la finir. Et oui, j'aime beaucoup les bananes. Et du coup, voilà. Donc, on pense que ça vient de là. Ce qui est tout à fait normal parce que la prise d'antidep sur le long terme peut causer totalement ce genre de soucis. Donc, voilà, voilà pour ma petite histoire de Pilates. Et franchement, dites-moi si vous connaissez, hein, le Pilates. C'est très répandu maintenant, mais c'est vrai qu'à l'époque où moi je le faisais, personne connaissait, donc tout le monde me disait, ceux avec qui j'en parlais, me disaient « Oh, c'est quoi ça ?» Et voilà, j'aime beaucoup, parce que c'est vraiment un mix entre la gym, on va dire, hein, le fitness, et le yoga, je trouve, donc voilà, et j'adore ça. Parce que c'est toujours, ça s'adapte. Franchement, vous pouvez adapter tous les mouvements. Ça, c'est pour descendre. La caisse là ira par là. Ça va dans ma chambre. C'est mon jeans qui traîne là. Je ne sais pas. Et mes petits achats ténus que je devrais filmer. J'ai tout un jogging par terre. Que je devrais filmer, mais j'attends de recevoir ma dernière commande. D'ailleurs, j'ai refait une commande ténue ce matin. J'ai pris du coup pour faire le... Qu'est-ce que je fais? Pour aller au cours de yoga, il y a des tapis, hein, pas de yoga, des pilates. Ils fournissent les tapis, il n'y a pas de souci.
Sauf que ben, ils sont fins, ils doivent faire 3 mm d'épaisseur, 4 à tout casser. Et ça fait vraiment, vraiment, vraiment mal le cul ou le dos. Donc là, je me suis commandé parce que celui de chez Action, il fait, que je dise pas de bêtises, je crois qu'il fait 6 mm d'épaisseur. C'est 4, je ne suis même plus sûre de rien. Je me suis commandé un de 1 cm d'épaisseur et j'ai commandé des enfin c'est pas des combis, c'est des espèces de damars. J'appelle ça les damars moi. Des sous-vêtements chauds en fait. Bon, allez par là les chiens. Et voilà. Bon, mon meuble est au moins est déjà débarrassé. Il me reste ça encore. Ça, je mettrai par là après. Pour pas sortir du champ. Mon meuble est dégueulasse. Et je vais essayer d'installer ça là. Oh putain, c'est un bordel sans nom ici. C'est un truc de fou. Ah, j'ai encore... ah oui, j'ai retrouvé dans mes cadeaux Vinted des vernis Mylène. Je me demande si je vais les garder. Mais j'ai retrouvé un vernis essence aussi. Il faut que je regarde dans quel état ils sont. Et voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pas grand-chose. Je crois que j'ai fait le tour de ma petite session de pilates. Ah non, j'avais dit que je changerais les rouges à lèvres dedans. Donc je suis con, je suis en train d'installer tout et n'importe quoi. Oh, ça, je ferai plus tard, alors. Pas des couilles. Et demain, on testera donc le... où c'est que je l'ai mis? C'est pas possible, autant de bordel. C'est pas possible. Je crois que c'est ça. Ouais, le liner Wink. Le Wink liner, là, de chez Shiglam. Et le rouge à lèvres Bordeaux, là, que j'ai acheté en même temps. Donc, on testera ça demain. Et voilà, voilà. Là, je vais commencer à un petit peu rassembler tout ce qui est pour le swap. Comme ça, c'est fait. Parce que ça me fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de bordel. Oui, je range. Hein. Écoutez, je range, je range. Voilà pour ça. Le reste, je verrai plus tard. C'est encore un peu le foutoir, mais on va y aller. Yuki file. Et le Bambi, je pense que je vais le mettre dans ma salle de bain pour l'instant. Je crois qu'il est très beau. Hein. Non, je vais le mettre là. Bougez-vous des pieds. Oh là 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 là. Oui, c'est très bien comme ça. Par contre, je vais pas remettre ma petite couronne du coup. Je vais la mettre tout au-dessus, vous la verrez plus pour l'instant. Oh, mais Yuki, tu fous la paix à mes pieds. En train de me chenouffer les pieds, lui. Bah écoutez, voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Je vais faire tantôt, si j'ai les foies. J'ai testé la nouvelle colo pour les sourcils. C'est toujours la même marque, hein, la Sayos. Mais j'ai pris une couleur plus claire, donc on verra ce que ça donne. Et voilà. Oh là, quand je vois le bordel... Quand je vois le bordel. Alors, ce qu'on fera mercredi, dans le vlog de mercredi, je ferai le bricolage que je vous parlais, là, du carrosse de Cendrillon, enfin, du carrosse. Et ensuite, samedi prochain, on fera... je vais trier mes accessoires cheveux, puisque je vais vous faire un haul que je vais filmer demain. Accessoires cheveux. Vous aurez d'abord le haul fringue, si jamais je reçois ma commande demain. Donc à ce moment-là, je filme, on fera le make-up comme ça. Enfin, bref. Oh. Oui, alors je vous ai dit dans le précédent vlog que je dormais beaucoup mieux en ce moment. Ben, ça fait 2 nuits que les chiens ne me laissent pas dormir. Voilà, on est content. J'ai des envies de meurtre. Ce matin, les chichous sont sortis pendant 2 heures. Raïla, elle était infernale, comme d'hab. Ils attendent pour aller au lit. Oh.
Je suis en train de me tortiller avec tout le bordel là pour ranger les vernis qui traînent. C'est pour ça qu'il faut que je trie le swap là parce que ça ne va plus. Donc je vais faire ça. Je vais mettre le gros carton ici. J'aurai plus facile. Bon après. Ah oui, mais après il faudrait le toucher pour. Je vais voir. Ah là là, c'est chiant. Bref, allez, sur ce, nous, on switch de jour. Ne tombez pas, j'en ai pas pour longtemps. Il est 11h. J'ai pas foutu grand-chose depuis ce matin. Je suis pas bien. Je crois que j'ai attrapé froid au Pilates lundi parce qu'il faisait super froid dans la salle. Je crois que j'ai attrapé froid, tout simplement. Je suis gelée, j'arrive pas à me réchauffer. J'ai allumé le poêle ce matin, enfin ce matin, on est toujours le matin, mais moi c'est déjà le temps de midi, je vais manger, aller me coucher là. J'ai été prendre une douche hyper chaude, mais alors quand je vous dis chaude, c'est que je suis sortie, j'ai des couleurs écrevisses, et pourtant j'ai toujours aussi froid, j'arrive pas à me réchauffer. Là je vais enfiler mon pilou, mais j'ai l'impression, je me demande si j'attrape pas de la fièvre, hein. Faudrait que je prenne ma température. Parce que... Normalement, on devait faire le crash test du liner, mais j'arrive à pas filmer. Je suis beaucoup trop fatiguée. Je suis fatiguée et flagada. Je pense vraiment que je couvre un truc là. Bon, rien de grave, hein, sûrement un petit rhume, mais bon. Comme je suis rarement malade, malade, quoi. En dehors de mes pathologies, du coup, bah, dès que je suis malade, je suis. Je suis KO, je suis vraiment bah, flagada, c'est le mot de. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc, ce vlog aura été totalement inutile et court. Mais voilà, comme je vous ai déjà dit, je ne me force pas à faire du contenu. Il n'y aura d'ailleurs pas de vidéo lundi non plus, puisque j'ai pas tourné le haul accessoire cheveux. Donc voilà. Écoutez, de toute façon, on va bientôt arriver. Je crois que j'attends le calendrier de l'avant, moi, c'est pas possible autrement. Parce que là, on va doucement arriver sur les vidéos de décembre. Donc, il n'y aura pas de vidéo les mardis et les jeudis, mais sinon, tout le reste des autres jours, et il y aura des vidéos. Je ne sais plus comment j'ai programmé ça. Le lundi, c'est bah, une vidéo. Style les produits terminés, les favoris de l'année et tout ça. Le mercredi vlog, le samedi vlog. Le vendredi, le unboxing de mes calendriers de l'Avent achetés. Et le dimanche, le calendrier swap avec Manon. Voilà. Enfin, le swap calendrier de l'Avent avec Manon. Et voilà, voilà. J'ai vraiment trop hâte d'y être. J'ai vraiment hâte d'être le 1er décembre. Il reste encore un mois et demi, un bon mois et demi. J'ai oublié de prendre mon cachet ce matin, donc je vais devoir me refaire un café pour pouvoir prendre mon cachet et puis manger. Je vais me faire un petit café. Et voilà. Oh, ça va, j'arrête pas de bailler. Hein. Alors, depuis que je vous ai dit la dernière fois que je dormais bien, ben, je ne dors pas bien. Voilà, tout simplement. Ma tête était contrariante. Voilà, je me contredis moi-même. J'aime bien, je suis contrariante dans tous les sens du terme, donc autant me contrarier moi-même, voilà, me contredire. Voilà, voilà. J'ai oublié de remettre ma montre après la douche, donc je vais le faire tout fouette. J'ai même pas fait mon pilate aujourd'hui. Et voilà, écoutez, j'ai rien de plus à vous dire. J'ai trop la flemme. Et je veux pas vous foutre la flemme à vous aussi. Donc voilà. Je vais pas blablater juste pour blablater et faire durer le vlog. Comme je vous l'ai dit, c'est suivant mon état général et tout ça. Je ne me tracasse plus pour mes vidéos. J'ai plus envie de me prendre la tête pour le contenu, la durée. Voilà. Il y a ce qu'il y a dans les vlogs. C'est comme ça. Et puis c'est tout. Puisque de toute façon, je vous partage mon quotidien et il y a des moments où ça va moins bien que d'autres. Donc, c'est comme pour tout le monde. Hein. Voilà. Et dites-moi si vous aussi, en l'attente de Noël, comme ça, vous êtes dans une passe
d'attente. C'est vraiment ça, j'ai l'impression d'attendre et j'ai rien envie de foutre parce que j'attends. Oui, c'est un peu bizarre. Expliquer comme ça, c'est un peu bizarre. Bref, bon, ah oui, et du coup, j'ai fait ma couleur. Je vous montre quand même le résultat parce que je l'ai fait exprès hier. Donc, vous voyez, c'est un peu plus clair. Donc, j'ai pris, c'est toujours la Sayos, hein, et c'est châtain clair. Donc, voilà ce que ça donne. C'est beaucoup mieux avec les cheveux clairs que le brun foncé, je trouve. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça fait moins. Après, j'aime bien avoir les sourcils bien marqués. Hein. C'est pas un souci, mais voilà. Je trouve que ça fait plus naturel quand je suis pas maquillée, parce que les trois quarts du temps, je suis pas maquillée. Et voilà. Donc, sur ce, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air pour m'encourager quand j'ai la flemme. Ça m'arrange. Hein. De me dire si vous avez la flemme en commentaire. Et ben moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous. Allez, de vous abonner aussi si vous n'êtes pas abonné.